Pourquoi comptons-nous en base 10? Est-ce le cas de toutes les époques et de toutes les civilisations? Pourquoi les années ont-elles 12 mois? Pourquoi les heures ont-elles 60 minutes? Pourquoi 360 degrés dans un cercle? Les nombres sont partout présents. Mais d'où viennent-ils? Comment cela a-t-il commencé et pourquoi? Depuis quand l'être humain s'est-il compté? Dans cette série, nous vous proposons de découvrir et d'apprendre les mathématiques au travers d'un voyage dans le temps et dans l'espace. Ce premier épisode est consacré au nombre de la préhistoire à l'Antiquité. Constat numéro 1, nous ne sommes pas les seuls à savoir compter. Alors, on n'a pas encore vu de chien capable d'exécuter ce type d'opération. Toutefois, l'état actuel des recherches montre que plusieurs espèces animales ont un sens inné des nombres. Ainsi, le perroquet gris du Gabon semble même avoir une conscience du zéro. Les chimpanzés semblent capables de réaliser des additions. Les gambusies des poissons seraient capables de comparer des quantités. Le mulot rayé semble capable de faire la différence entre 8 et 9. On pourrait également citer le hamster, l'écureuil, le chardonneret, le rat, l'otarie et bien d'autres espèces encore. Ce constat conduit certains scientifiques à penser que nos lointains ancêtres avaient peut-être développé une certaine notion de nombre. Ainsi, Homo habilis avait un volume cérébral équivalent à celui d'un chimpanzé. Constat numéro 2. Certains peuples encore vivants n'ont pas de mots au-delà de 2. Par exemple, les Piraas, une tribu amazonienne, disposent des mots 1, 2 et puis plusieurs. Les représentants de cette tribu ne savent pas compter jusqu'à 3. Les Mundurucus, une autre tribu amazonienne, n'ont pas de mots au-delà de 5. On pourrait citer également certains aborigènes en Australie. Il semble donc qu'il faille des conditions particulières pour que la notion de nombre se développe. Constat numéro 3. Les traces préhistoriques d'activités mathématiques sont rares et discutables. Notre connaissance des mathématiques préhistoriques est extrêmement lacunaire et l'interprétation des traces de ce qui semble être une activité mathématique fait souvent sujet à débat. L'os de l'élambeau, il daterait d'environ 35 000 ans. Il comporte 29 encoches. Ce nombre représente peut-être le nombre de jours d'un mois lunaire, ou peut-être tout à fait autre chose. Les bâtons d'Ishango, ils dateraient d'environ 20 000 ans. Ils ont été découverts au Congo. Ce sont des os comportant des entailles. Voici le détail d'une des faces sur laquelle on observe un certain nombre d'entailles. Ces entailles pourraient représenter des nombres. Si ces entailles représentent des nombres, on aurait 11, 13, 17 et 19. Or, ces nombres ne sont pas n'importe quel nombre. Ce sont des nombres premiers. Concept mathématique numéro 1, les nombres premiers. 6 égale 2 fois 3. 15 égale 3 fois 5. 21 égale 3 fois 7. Oui, mais 11. Ah, 11, ça fait 1 fois 11, ou encore 11 fois 1. Et 17, 1 fois 17, ou encore 17 fois 1. Parmi ces nombres, certains peuvent se décomposer, au travers de la multiplication, avec d'autres nombres. Ainsi, 6 se décompose en 2 et 3, 15 se décompose en 3 et 5, 21 en 3 et 7, mais 11 ne se décompose qu'avec 1 et lui-même, et 17 ne se décompose qu'avec 1 et lui-même. Prenons les premiers nombres, 1, 2, 3, 4, 5. 1 se décompose uniquement avec lui-même, 1 fois 1. 2 égale 1 fois 2, il se décompose uniquement par 2, c'est-à-dire lui-même et par 1. Il en va de même pour 3, par contre 4 se décompose à l'aide de 2, et 5 se décompose uniquement à l'aide de lui-même et de 1. 6 se décompose à l'aide de 2 et 3, 7 uniquement à partir de 1 et 7, 8 à partir de 2, 9 à partir de 3 et 10 à partir de 2 et 5. Parmi ces nombres, certains se décomposent à l'aide d'autres nombres, alors que d'autres, ceux que nous avons marqués ici en rouge, ne se décomposent qu'à partir d'eux-mêmes et de 1. 1 a un statut encore plus particulier, puisqu'il ne peut se décomposer qu'à partir de lui-même, or 1 vaut lui-même. Parmi ces nombres, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, nous en avons donc marqué certains en vert et d'autres en rouge. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. Ces nombres sont appelés des nombres premiers. En mathématiques, les nombres premiers sont des nombres entiers plus grands que 1, donc à partir de 2, qui ne sont divisibles que par 1 et que par eux-mêmes. Par exemple, 5, puisque 5 égale 1 fois 5. Si nous prenons la liste des premiers nombres premiers, nous obtenons 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. Or, en reprenant la face d'un des os d'Ishango, nous avons bien 11, 13, 17 et 19 en taille. S'agit-il là de nombres premiers? S'agit-il là de nombres, tout simplement? Comment le savoir?
En comparant deux autres faces des Odishango, on remarque que la somme des nombres inscrits donne 60. Une face comporte un total qui fait 60, l'autre face comporte un total qui fait également 60. Peut-on alors affirmer que celui qui a tracé ces marques savait compter ? Pour certains scientifiques, il s'agit là uniquement de simples motifs décoratifs. Constat numéro 4. On peut compter sans utiliser les nombres. Il est très facile de constater ici qu'il y a autant de chèvres que de poussins. Par contre ici, est-ce qu'il y a autant de chèvres que de poussins ou est-ce qu'il y a plus de chèvres que de poussins ou encore plus de poussins que de chèvres ? Comment faire sans compter ? Imaginons que nous ne disposions pas des nombres. Eh bien oui, c'est possible. Il est possible de résoudre ce problème sans utiliser les nombres. Concept mathématique numéro 2, la correspondance terme à terme. Sur cette figure, nous avons pu relier chaque caillou à chaque myrtille. Autrement dit, chaque caillou est relié à une myrtille à une seule, et chaque myrtille est reliée à un seul caillou et à un seul. Il y a autant de pierres que de myrtilles parce qu'il est possible d'établir une correspondance un à un entre la collection des cailloux et la collection des myrtilles. Il y a autant de cailloux que de myrtilles. Et cela, on peut l'obtenir de différentes façons. Mais quelle que soit cette façon, chaque caillou sera toujours relié à une myrtille et à une seule, et chaque myrtille sera toujours reliée à un caillou et à un seul. Observons ce second exemple. Ici, il y a plus de filles que de garçons, car si nous tentons d'associer un à un la collection des filles et la collection des garçons, nous obtiendrons toujours une fille qui ne sera pas reliée à un garçon. Par conséquent, il y a plus de filles que de garçons. En mathématiques, une correspondance 1 à 1 est appelée bijection. Il y a bijection s'il est possible de relier 1 à 1 chaque terme d'une collection à chaque terme d'une autre collection. Si deux collections d'objets peuvent être mises en relation 1 à 1, alors elles comportent le même nombre d'objets. Grâce au concept de bijection, on peut comparer le nombre d'éléments de deux collections sans connaître ce nombre, c'est-à-dire sans avoir besoin de compter. Bien plus tard, c'est le concept de bijection qui permettra à Georg Cantor, au XIXe siècle, de mettre en relation des ensembles contenant une infinité d'éléments, donc par nature des ensembles dont il n'est pas possible de compter le nombre d'éléments, et de montrer qu'il existe plusieurs infinis. Bien entendu, nous reparlerons de ce fait très important dans un futur épisode. Nous disposons ainsi d'un moyen de compter combien l'on a de silex sans utiliser de nombre et d'en conserver la trace. Prenons un morceau de bois et traçons autant d'entailles qu'il y a de silex. Une entaille, deux entailles, trois entailles, quatre entailles, cinq entailles. On aurait pu faire de même avec des fraises. 1, 2, 3, 4, 5 fraises. C'est peut-être ainsi que le concept de nombre est né. À la fin de l'ère glaciaire, s'ouvre une grande période d'environ 6000 ans où les façons de vivre vont être profondément modifiées. Les humains vont progressivement se sédentariser et commencer à cultiver les terres et à élever des animaux. L'observation des phases de la Lune, de la succession des jours et des nuits, du mouvement des étoiles, les contraintes de la culture et de l'élevage, l'apparition de la monnaie, la construction de bâtiments de plus en plus complexes vont nécessiter l'usage et la maîtrise des nombres, même si on l'a vu, certains peuples encore vivants ne savent pratiquement pas compter. Constat numéro 5, les enfants comptent sur leurs doigts. Et certainement nos ancêtres faisaient de même. Bien qu'il soit impossible de dater l'utilisation des moyens, il est fort probable que les cailloux ou tout autre objet facilement manipulable, les entailles sur un morceau de bois ou d'os et la main ont constitué des moyens primitifs de comptage. Une brebis, deux brebis, trois brebis, quatre brebis. Quatre brebis, quatre cailloux. Quatre entailles. Quatre membres dans la tribu. Quatre cailloux. Quatre entailles. Quatre cailloux, quatre entailles. La main, quatre cailloux. Il a sans doute fallu des millénaires pour que le concept de nombre devienne un concept abstrait. Constat numéro 6. La division est une opération difficile. Additionner et soustraire sont des opérations simples, mais la division devait poser des problèmes à nos ancêtres, surtout si le résultat n'est pas un entier. 9 divisé par 3, effectivement, ça fait 3 fois 3, 9. 12 divisé par 3, 3 fois 4, 12. Mais 7 divisé par 3, le résultat n'est pas un nombre entier. Pour additionner, c'est facile. On prend des cailloux, on ajoute un autre caillou. Pour soustraire, c'est facile. On prend des cailloux et on enlève un caillou. Mais pour la division, c'est beaucoup plus difficile. Concept numéro 3, les diviseurs d'un nombre. On a vu que les nombres premiers ne se décomposent pas à l'aide d'autres nombres que 1 et eux-mêmes. 17 égale 1 fois 17, ou encore 17 fois 1.
Les seuls diviseurs de 17 sont 1 et 17. Les nombres premiers n'ont que 2 diviseurs. Les nombres premiers sont des mauvais nombres pour la division, puisque ce n'est que divisé par eux-mêmes ou par 1 qu'ils donnent un entier. Par contre, il y a des nombres plus intéressants. 12 égale 1 fois 12, mais aussi 2 fois 2 fois 3, ou encore 3 fois 4, ou encore 2 fois 6. 12 a 6 diviseurs. Les diviseurs de 12 sont 1, 2, 3, 4, 6 et 12. Plus un nombre a de diviseurs, plus il est bon pour la division. Les plus mauvais étant, on l'a vu, les nombres premiers. Ainsi, 10 a 4 diviseurs, alors que 12 en a 6. 12 est donc meilleur que 10 vis-à-vis de la division. Prenons les nombres dans l'ordre de 1 à 12. Et supprimons ceux qui n'ont pas beaucoup de diviseurs, c'est-à-dire 1, 2, 3, 5, 7 et 11. Nous avons enlevé 1 et les nombres premiers. Il nous reste 4, 6, 8, 9, 10 et 12. Dans cette liste, supprimons ceux qui n'ont que 3 diviseurs. Il nous reste 6, 8, 10 et 12. C'est 12 le meilleur. 12 a 6 diviseurs. 12 est le plus petit entier qui a 6 diviseurs. 12 maximise le nombre de diviseurs tout en étant assez grand et proche de 10. De là certainement l'origine de la division d'une journée ou d'une nuit en 12, en 12 heures, et la division de l'année en 12 mois. Constat numéro 7. Le système des jetons semble initialement lié aux objets qu'ils représentent. Après de petits objets qui ont été retrouvés, il semble que l'on ait d'abord fabriqué des petits objets qui symbolisaient à la fois la quantité et le type d'objet à compter. Ainsi, symboliquement, par exemple, 5 jetons représentant des vaches pour compter 5 vaches. Encore 8 jetons représentant des petits cochons pour compter 8 petits cochons. Ou encore 4 jetons représentant des chiens pour représenter 4 chiens. À une certaine époque, nos ancêtres constatent qu'ils peuvent utiliser les mêmes jetons lorsqu'il s'agit de compter. Plutôt que d'utiliser 5 jetons à l'effigie des vaches, prenons simplement 5 jetons neutres. Plutôt que d'avoir 8 jetons représentant des petits cochons, prenons simplement 8 jetons représentant 8. Constat numéro 8, un trop grand nombre de jetons devient ingérable. Combien est-ce qu'il y a de jetons? Pas facile. Le système des jetons est mis en défaut. Comment faire? L'idée géniale, c'est de regrouper les jetons par paquet et utiliser des jetons différents pour représenter un paquet. Alors cette fois-ci, il ne s'agit plus d'utiliser des jetons qui représentent des objets réels, mais des jetons qui représentent des ensembles de jetons. On a franchi un certain cap d'abstraction. Revenons à notre problème. Nous voulons représenter plus facilement ce nombre qui est représenté ici par un nombre trop grand de jetons verts. Eh bien, décidons qu'un grand jeton marron, enfin un jeton moyen marron, va représenter 5 petits jetons verts. Ainsi, notre nombre de tout à l'heure devient 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jetons moyens marrons et 2 jetons verts. Mais il y a encore trop de jetons marrons. Eh bien, qu'à cela ne tienne, appliquons le même principe. Décidons qu'un grand jeton mauve va représenter 5 jetons marrons, 5 jetons moyens marrons. Notre nombre initialement composé de plein de jetons verts devient un grand jeton mauve, 2 jetons moyens marrons et 2 petits jetons verts. Fait très important, l'ordre des jetons n'a pas d'importance. On peut mettre les jetons dans n'importe quel ordre, ce sera toujours le même nombre. On dit que cette représentation est non positionnelle. La position n'a pas d'importance. Ainsi, nos 37 jetons initialement difficiles à établir sont représentés maintenant par un grand jeton mauve, 2 jetons marrons et 2 petits jetons verts. En résumé, notre grand jeton représente 25, 2 jetons moyens marrons représentent 5 et 5, c'est-à-dire 10, et 2 petits jetons verts représentent 1 et 1. 25 plus 5, 30 plus 5, 35, plus 1, 36, plus 1, 37. Nous avons représenté le nombre 37 à l'aide de simplement 5 jetons. Constat numéro 9, les Égyptiens utilisaient une représentation non positionnelle. Contrairement aux Mésopotamiens, nous ne disposons que de peu de traces écrites des mathématiques de l'ancienne Égypte. Le document le plus important est le papyrus Rhind. On peut citer également le papyrus de Berlin 66-19 ou encore le papyrus de Moscou. L'apparition de l'écriture chez les Égyptiens est contemporaine de celle des Sumériens. On ne sait pas laquelle précède vraiment l'autre. Il semble que bien que contemporaines, les mathématiques égyptiennes et mésopotamiennes ne se soient guère influencées l'une et l'autre.
Elles utilisent par exemple des systèmes de numérotation différents. Dans l'écriture hiéroglyphique égyptienne, 1 est représenté par un bâton, 10 par une anse de panier, 100 par un rouleau de papyrus, 1000 par un lotus, 10 000 par un index, 100 000 par un tétard et 1 million par le dieu Hé. Voici un exemple. Que représente ce nombre ? À gauche, nous avons 7 fois 1000 puisque nous avons 7 lotus. Puis 2 fois 100 puisque nous avons 2 papyrus, 3 fois 10, 3 anses de panier et 6 bâtons, 6. Le nombre écrit correspond donc à 7000 plus 200 plus 30 plus 6, c'est-à-dire 7236. L'ordre d'écriture des symboles n'a pas d'importance, c'est ce que l'on appelle une écriture non positionnelle. On peut écrire aussi bien de droite à gauche ou de gauche à droite, tout en conservant le même sens. On peut également aligner les symboles en haut, en bas, selon des critères esthétiques choisis par le scribe qui gravait les symboles sur la pierre. Le système d'écriture que nous utilisons aujourd'hui est différent. Il est, lui, positionnel. L'ordre des chiffres que nous écrivons, par exemple 123, a une importance. Ce système d'écriture égyptien permet de représenter les nombres de 1 à 9 999 999. Concept mathématique numéro 4, l'addition et la soustraction avec la numérotation égyptienne. Voici un exemple d'addition égyptienne. Nous allons additionner ces deux nombres. Celui de gauche représente le nombre 65 et celui de droite représente le nombre 68. Comment faire pour les additionner ? C'est très simple. On regroupe tous les symboles de même type. Ici, nous n'avons que des anses et que des bâtons. Nous constatons que le nombre des anses est supérieur à 9. Nous pouvons créer un paquet de 10 et remplacer ce paquet de 10 par un rouleau de papyrus. Nous obtenons donc un rouleau de papyrus et deux anses. En ce qui concerne les bâtons, là aussi le nombre de bâtons est supérieur à 9. Nous pouvons créer un paquet de 10 bâtons et remplacer ce paquet de 10 bâtons par une anse. Finalement, nous obtenons un rouleau de papyrus, 3 anses et 3 bâtons, ce qui correspond à 133. 65 plus 68 égale 133. Les Égyptiens possèdent également des symboles pour l'addition et la soustraction. Si on écrit de gauche à droite, si on lit de gauche à droite, alors les pas qui vont de gauche à droite correspondent à l'addition, et les pas qui vont de droite à gauche correspondent à la soustraction. Si par contre le sens des lectures est de droite à gauche, c'est le contraire. Les pas qui vont de droite à gauche correspondent à l'addition, et les pas qui vont de gauche à droite correspondent à la soustraction. En numérotation égyptienne, la soustraction est également une opération très simple. Prenons un exemple. Le nombre de gauche représente 45, le nombre de droite représente 28. Nous désirons réaliser l'opération 45 moins 28. Il y a un petit problème. Il faut enlever 8 bâtons de droite aux 5 bâtons de gauche. Ce n'est pas possible. Pour cela, nous allons remplacer une anse qui vaut 10 bâtons par justement 10 bâtons. Il est maintenant possible de soustraire des bâtons de gauche, les bâtons de droite. Pour cela, nous barrons le nombre de bâtons équivalents. Il reste 3 anses à gauche, accompagnées de 7 bâtons, et seulement 2 anses à droite. Il nous faut soustraire les anses de droite aux anses de gauche. Nous barrons le nombre de anses correspondant. Il ne reste plus maintenant qu'une anse et 7 bâtons. 45 moins 28 égale une anse et 7 bâtons, c'est-à-dire 17. Le papyrus Rint doit son nom à l'écossais Alexander Henry Rint, qu'il acheta en 1858 à Luxor. Il est aujourd'hui conservé au British Museum. Ce papyrus a été écrit par un scribe nommé Ames et serait une copie d'un texte plus ancien, datant d'environ 2000 ans avant Jésus-Christ. Concept mathématique numéro 5, la multiplication égyptienne. La multiplication égyptienne est basée sur la multiplication par 2, c'est la seule table à connaître, et elle utilise massivement l'addition. Prenons un exemple, nous souhaitons multiplier 37 par 49. Pour cela, nous écrivons 1 fois 37, 2 fois 37, c'est-à-dire 37 plus 37, 74. 4 fois 37, mais 4 fois 37, c'est 74 plus 74, c'est-à-dire 148. 8 fois 37, mais en fait 8 fois 37, c'est 148 plus 148, c'est-à-dire 296. Nous procédons de même pour 16, 296 plus 296, 592. 592 plus 592, 1184. Et nous n'allons pas plus loin car 32 plus 32 égale 64,
qui est supérieur à 49. Occupons-nous maintenant de 49. À l'aide de la colonne de gauche, nous repérons les nombres qui nous permettent par addition d'obtenir 49, c'est-à-dire 32 plus 16, ce qui fait 48, plus 1, 49. Nous éliminons ensuite tout ce qui ne correspond pas aux nombres qui nous ont permis d'obtenir 49. Il nous reste 1, 16, 32 dans la colonne de gauche, 37, 592 et 1184 dans la colonne de droite. Il ne reste plus qu'à additionner tous les termes de la colonne de droite et nous obtenons 1813. 37 fois 49 égale 1813. Nous avons réalisé une multiplication en utilisant uniquement la table de multiplication par 2 et l'opération d'addition. Le papyrus Rhind n'est pas écrit en hiéroglyphe, mais il utilise une écriture dite écriture hiératique. Le texte a été écrit aux environs du XVIe siècle avant notre ère. Le papyrus Rhind présente des tables de division par 2, ainsi que des problèmes d'arpentage, de résolution d'équations et d'autres types de problèmes encore. Concept mathématique numéro 6, la division égyptienne. Nous allons distinguer deux cas, le cas où la division tombe juste et le cas où la division ne tombe pas juste. Commençons par le cas où la division tombe juste. Nous désirons diviser 456 par 12. Commençons par 12. Nous dressons une table, 1 fois 12 égale 12, 2 fois 12, 24, 48, 96, 192, 384. Nous arrêtons là car nous obtenons un nombre qui est supérieur à 456. Maintenant, regardons 456. 456 s'obtient en prenant 384. On ne peut pas lui ajouter 192 car on obtiendrait 576, qui est trop grand. On ne peut pas non plus lui ajouter 96, puisqu'on obtiendrait 480 qui est supérieur à 456. Par contre, on peut ajouter 48, on obtient 432. On peut ajouter 24 et on obtient finalement 456. Nous supprimons toutes les lignes qui ne nous intéressent pas et en partant de la colonne de gauche, nous additionnons 32 plus 4 plus 2. Nous obtenons 38. 456 divisé par 12 égale 38. Voyons maintenant un exemple où la division ne tombe pas juste. Nous souhaitons diviser 212 par 6. Nous procédons comme tout à l'heure. 1 fois 6, 6. 2 fois 6, 12. 24, 48, 96, 192. On s'arrête là car on obtiendra un nombre qui est supérieur à 212. Nous nous occupons maintenant de 212. Nous tentons d'obtenir 212 en additionnant les nombres de la colonne de droite. 192 plus 96 donne 288, c'est trop grand. Plus 48, ça donne 240, c'est toujours trop grand. Plus 24, ça nous donne 216, toujours trop grand. 12 fonctionne, ça nous donne 204. 6 fonctionne, nous obtenons 210. Mais 210 est inférieur à 212. Il nous manque 2 pour aller de 210 à 212. Qu'à cela ne tienne, nous créons une ligne supplémentaire, 1 tiers fois 6 égale 2, et finalement nous obtenons bien 212. Nous éliminons les lignes qui ne nous servent à rien, et nous obtenons 1 plus 2 plus 32 égale 35 plus 1 tiers. 212 divisé par 6 égale 35 plus 1 tiers. Le papyrus de Moscou a été découvert par le russe Vladimir Golenichev, c'est pour cela qu'il est également appelé papyrus Golenichev. Il comporte 25 problèmes mathématiques avec leurs solutions. Lui aussi, à l'instar du papyrus Rhind, est écrit en écriture hiératique. Concept mathématique numéro 7, les fractions égyptiennes. Cette partie est un peu plus difficile que les précédentes, mais reste d'un niveau collège, 4e ou 3e. Voici quelques exemples de fractions. 1 septième, 15 demi, 34 sur 35, 75 sur 23. Une fraction, c'est donc un nombre divisé par un autre nombre. Le nombre du haut est appelé numérateur, le nombre du bas est appelé dénominateur. Une fraction unitaire est une fraction dont le numérateur est égal à 1. Les Égyptiens utilisaient principalement les fractions unitaires. En notation moderne, une fraction unitaire s'écrit 1 sur n, où n désigne un entier non nul. Voici quelques exemples. 1 quart est une fraction unitaire, 1 16e est une fraction unitaire, 1 213e est une fraction unitaire, mais 2 septième n'est pas une fraction unitaire car son numérateur est égal à 2 alors qu'il devrait être égal à 1 pour qu'il s'agisse d'une fraction unitaire. Pour représenter les fractions, les Égyptiens disposaient d'un symbole spécial qui signifie partie. Voici la fraction 1 septième, le symbole spécial.
sous lequel sont placés 7 bâtons, ce qui correspond à 7. Voici une fraction qui représente 1/400, le symbole spécial. 4 papyrus placés sous le symbole spécial, 4 papyrus, 4 fois 100, la fraction représente 1/400. Certaines fractions bénéficiaient d'un symbole spécial. Voici le symbole pour 1/2, voici le symbole pour 2/3, bien qu'il ne s'agisse pas d'une fraction unitaire, les Égyptiens utilisaient souvent la fraction 2/3, et voici le symbole pour la fraction 3/4. Là encore, ce n'est pas une fraction unitaire, mais elle revenait souvent dans leurs calculs. On appelle fraction égyptienne toute somme de fractions unitaires dont les dénominateurs sont tous différents. Voici un exemple, 1/2 plus 1/3 plus 1/6. Par contre, 1/3 plus 1/5 plus 1/3 n'est pas une fraction égyptienne, puisqu'on a répété 2 fois la fraction 1/3. Comment décomposer une fraction quelconque en fraction égyptienne? Nous allons démontrer la formule 1 sur a égale 1 sur a plus 1 plus 1 sur a facteur de a plus 1. La démonstration est très simple, il suffit de partir du membre de droite et de réduire au même dénominateur. 1 sur a plus 1 plus 1 sur a facteur de a plus 1 égale a sur a facteur de a plus 1 plus 1 sur a facteur de a plus 1, c'est-à-dire a plus 1 sur a facteur de a plus 1. Après simplification de a plus 1 sur a plus 1, on obtient bien le membre de gauche, c'est-à-dire 1 sur a. Deuxième élément dont nous allons avoir besoin, 3/5 égale 1/5 plus 1/5 plus 1/5, ça fait 3 termes. Plus généralement, b sur a égale 1 sur a, plus 1 sur a, plus etc., plus 1 sur a, expression dans laquelle il y a b termes. Nous allons terminer cette partie par un petit exercice. Décomposer en fraction égyptienne 3/5. 3/5 égale 1/5 plus 1/5 plus 1/5. C'est-à-dire 2/5 plus 1/5. 3/5 peut donc s'écrire sous la forme 2 fois 1/5 plus 1/5. La partie 1/5 peut s'écrire 1/6 plus 1/30 d'après la formule que nous avons vue précédemment. Et de même, 1/5, de manière identique, se décompose sous la forme 1/6 plus 1/30. En développant l'expression, c'est-à-dire en multipliant par 2, nous obtenons 3/5 égale 2/6 plus 2/30 plus 1/6 plus 1/30. C'est-à-dire 1/3 plus 1/15 plus 1/6 plus 1/30, après simplification de 2/6 qui est devenu 1/3 et de 2/30 qui est devenu 1/15. Finalement, 3/5 égale 1/3 plus 1/6 plus 1/15 plus 1/30. Constat numéro 10, les Mésopotamiens ne comptaient pas du tout comme les Égyptiens. La Mésopotamie désigne une région qui comprend aujourd'hui l'Irak et une partie de la Syrie. Son nom signifie « entre deux fleuves », en l'occurrence entre le Tigre et l'Euphrate. La région est peuplée depuis des millénaires. L'écriture aurait été inventée en Mésopotamie par un peuple vivant au sud appelé les Sumériens, au 4e millénaire avant Jésus-Christ. Les Mésopotamiens. Le terme mésopotamien désigne l'ensemble des peuples ayant vécu en Mésopotamie, Sumériens, Akkadiens, Babyloniens, etc. On ne connaît pas l'origine des Sumériens. Leur langue reste mystérieuse. Ce n'est pas une langue indo-européenne ni une langue sémitique. La langue sumérienne n'est rattachée à aucun groupe linguistique connu. En Mésopotamie se développèrent des cités-états, Babylone, Ur, Uruk. Les premières traces d'écriture connues datent de 3400 avant Jésus-Christ. C'est de l'écriture pictographique. L'écriture dite cunéiforme aurait fait son apparition vers 3100 avant Jésus-Christ. Le développement de l'urbanisation accroît les besoins en mathématiques. Le développement de l'agriculture, par exemple l'arpentage des surfaces, nécessite des calculs géométriques. Le besoin de calendrier, ici un calendrier égyptien. Le développement du commerce, échanges monétaires, calculs de prêts. La complexité croissante des bâtiments nécessite une amélioration de l'architecture et donc des mathématiques associées. Le développement de l'astronomie conduit à plus de mathématiques. Concept mathématique numéro 8, la base 10, la base 60. La base 10, c'est notre système de représentation actuel des nombres. Lorsque nous écrivons 56, nous voulons dire 5 fois 10 plus 6, c'est-à-dire 50 plus 6. Si nous prenons 3425, 3425 veut dire 3 fois 10 au cube, plus 4 fois 10 au carré, plus 2 fois 10 plus 5, c'est-à-dire 3 fois 1000, plus 4 fois 100, plus 2 fois 10 plus 5. Autrement dit, 3000 plus 400 plus 20 plus 5.
les Mésopotamiens utilisaient la base 60, parfois couplée à la base 10. Ainsi, en numérotation mésopotamienne, 5-6 signifie 5 fois 60 plus 6, c'est-à-dire 300 plus 6, autrement dit 306. Pour éviter les ambiguïtés, nous noterons 56 quand il s'agit de la base 10 et 5 de point 6 quand il s'agit de la base 60. Ainsi, 3, 4, 2, 5 signifie 3 fois 60 au cube, plus 4 fois 60 au carré, plus 2 fois 60, plus 5, c'est-à-dire 3 fois 216 000, plus 4 fois 3600, plus 2 fois 60, plus 5, c'est-à-dire 648 000, plus 14 400, plus 120, plus 5, ce qui donne finalement 662 525. Mais les Mésopotamiens n'utilisaient pas nos chiffres 1, 2, 3, etc. Ils utilisaient d'autres types de symboles que nous allons maintenant détailler. La numérotation sumérienne est principalement basée sur le clou et le chevron. Un clou signifie 1, 2 clous 2, 3 clous 4, etc. Le chevron représente quant à lui 10. 1 chevron 10, 2 chevrons 20, 4 chevrons 40, etc. Prenons un exemple. Que représente ce nombre ? 3 chevrons 30, 4 clous 4. Le nombre représenté est 34. D'autres symboles étaient également utilisés, un symbole pour 36 000, un symbole pour 3600 et un symbole pour 600. Que représente ce nombre ? 3600 plus 2 fois 600 plus 60 plus 20 plus 5, c'est-à-dire 4885. Et ce nombre-là, combien vaut-il ? 36 000 plus 2 fois 3600 plus 600 plus 3 fois 60 plus 40 plus 3, 44 023. Mais le système comportait des ambiguïtés. Par exemple, que signifient ces trois clous ? 3 ? Ou encore 121 si les deux clous de gauche correspondent à 60 ? Ou encore 62 si seulement le clou de gauche correspond à 60 et les deux clous de droite à 1 ? Ou encore 180 si les trois clous représentent respectivement 60, 60 et 60 ? Une manière de lever l'ambiguïté était de jouer sur la taille des clous. Deux grands clous, 60 plus 60 plus un petit clou 1, 121. Un grand clou plus deux petits clous, 62. Une autre façon de lever l'ambiguïté était de créer des espaces entre les symboles. Par exemple, deux clous, un espace, un clou, 121. Un clou, un espace, deux clous, 62. Mais la lecture de ces espaces était parfois source de confusion. Constat numéro 11, la numérotation babylonienne est plus simple que celle des Sumériens. La numérotation babylonienne abandonne un certain nombre de symboles, les symboles pour 36 000, 3600 et 600. La numérotation babylonienne ne conserve que deux symboles, le clou et le chevron. C'est une numérotation positionnelle comme celle que nous utilisons, et contrairement à celle des Égyptiens que nous avons vu tout à l'heure. Exercice. Soit représenté 40 873 en écriture babylonienne, puis en écriture sumérienne. Pour l'écriture babylonienne, nous avons besoin des puissances de 60. 60 au carré, c'est 60 fois 60, c'est-à-dire 3600. 40 873 égale 11 fois 60 au carré, plus 1273. C'est-à-dire 11 fois 60 au carré, plus 21 fois 60, plus 13, ce qui donne un chevron, un clou pour 11, 2 chevrons 1 clou pour 21 et 1 chevron 3 clous pour 13. Pour la représentation sumérienne, c'est un petit peu plus compliqué puisque nous devons tenir compte des symboles spéciaux. 40 873 égale 36 000 plus 4 873, soit encore 36 000 plus 3 600 plus 1273, il nous reste à décomposer 1273, 36 000 plus 3 600 plus 2 fois 600 plus 73, pour tenir compte des symboles spéciaux représentant respectivement 36 000, 3 600 et 600. Finalement, 40 873 égale 36 000, plus 3 600, plus 2 fois 600, plus 60, plus 13, ce qui donne la représentation sumérienne suivante. Si on compare les deux représentations, on constate que la représentation babylonienne est beaucoup plus simple à lire et beaucoup plus économique que la solution sumérienne. Mais comment faisaient les Babyloniens quand il y avait une ambiguïté ? Prenons le cas de 1226. 1226 égale 20 fois 60 plus 26, c'est-à-dire deux chevrons représentant 20 de 20 fois 60 et deux chevrons et 6 clous pour 26. Seulement si on écrit deux chevrons et 6 clous, cela pourrait très bien vouloir dire 46, 4 chevrons et 6 clous.
Certes, il aurait été plus logique d'utiliser la représentation de droite où les quatre chevrons sont groupés, ce qui évite l'ambiguïté. Mais malgré tout, comment faire? Comment faire en sorte qu'il n'y ait pas d'ambiguïté? Eh bien, les Babyloniens ont eu une idée géniale. Ils ont inventé un symbole séparateur sans valeur numérique. Ainsi, 1226 s'écrit deux chevrons pour 20. Le symbole séparateur, qui indique que les deux chevrons situés à gauche du symbole sont les 20 de 20 fois 60, et que les deux chevrons situés à droite du symbole sont les 20 de 2 chevrons plus 6 clous, c'est-à-dire 26. Mais il y a d'autres situations encore plus délicates. Comment faisaient les Babyloniens quand une puissance de 60 ne devait pas apparaître? Prenons le cas de 3611. 3611, c'est 1 fois 60 au carré, plus 0 fois 60, plus 26. Or, les Babyloniens ne connaissaient pas le 0. Avec les notations que nous avons décidé d'adopter, 3611 égale 1, 2.0, 2.26. Et bien là encore, les Babyloniens se servaient de leur symbole séparateur. Un clou pour 1 fois 60 au carré, le séparateur pour indiquer qu'il n'y a pas de puissance de 60, et un chevron, un clou pour 11. 60 au carré plus 11 égale 3611. Mettons cela en pratique au travers d'un petit exercice. Essayons de représenter en écriture babylonienne le nombre 216 043. 216 043 est égal à 216 000 plus 43, c'est-à-dire 1 fois 60 au cube plus 43, soit encore 1 fois 60 au cube plus 0 fois 60 au carré plus 0 fois 60 plus 43 en écriture moderne, soit encore, avec la notation que nous avons décidé d'adopter, 1 2.0 2.0 2.43. 1 2.0 2.0 2.43 va se représenter par un clou, deux symboles séparateurs indiquant qu'il n'y a pas de puissance pour 60 au carré, pas de puissance pour 60, puis 4 chevrons 3 clous pour 43. Alors est-ce que finalement les Babyloniens avaient inventé le 0? Eh bien non, ils n'avaient pas inventé le 0 car par exemple, pour représenter 60, ils n'écrivaient pas un clou et le symbole séparateur, mais tout simplement un clou. En écriture babylonienne, un clou pouvait représenter 1, ou encore 60, ou encore 3600, ou n'importe quelle puissance de 60, cela dépendait du contexte, ou encore la fraction 1 soixantième, ou 1 sur 3600, ou 1 sur n'importe quelle puissance de 60. Là encore, c'est le contexte qui permettait de décider. Les Babyloniens n'avaient pas inventé le 0. Nous parlerons du 0 en détail dans l'épisode spécial qui lui sera consacré. Il nous reste des vestiges de la base 60 des Babyloniens et des Sumériens, la décomposition de l'heure en 60 minutes, la décomposition de la minute en 60 secondes. Contrairement à l'Égypte antique, nous disposons de nombreuses traces des activités mathématiques des Mésopotamiens. En effet, seuls les quelques papyrus qui ont survécu aux incendies témoignent des mathématiques de l'ancienne Égypte, alors que nous disposons de centaines de tablettes d'argile mésopotamienne relatives aux mathématiques. Concept mathématique numéro 9, l'inverse mésopotamien. L'inverse mésopotamien diffère de notre notion actuelle d'inverse. En mathématiques actuelles, l'inverse de n est 1 divisé par n. La notion d'inverse au sens mésopotamien est une notion relative à 60 ou encore à 3600. L'inverse mésopotamien de n est 60 divisé par n ou encore 3600 divisé par n. Mais les mésopotamiens ne raisonnaient pas par division, ils raisonnaient par multiplication. L'inverse de 2 est 30, car 2 fois 30 égale 60. L'inverse de 3 est 20, car 3 fois 20 égale 60. L'inverse mésopotamien de 4 est 15, car 4 fois 15 égale 60. Certains nombres n'ont pas d'inverse. On a retrouvé des tables d'inverse mésopotamiennes. 2 a comme inverse 30, 3, 20, 4, 15, 5, 12, 6, 10, 7 qui est un nombre au premier n'a pas d'inverse. 8 a comme inverse 730, c'est-à-dire 450, car 8 fois 450 égale 3600. 9 a comme inverse 640, c'est-à-dire 400, car 9 fois 400 égale 3600. L'inverse de 10 est 6, 11 est un nombre premier, il n'a pas d'inverse, 12 a comme inverse 5, 13 et 14 n'ont pas d'inverse mésopotamien, 13 étant d'ailleurs un nombre premier. Contrairement aux Égyptiens, les Mésopotamiens ne disposaient pas d'un symbole spécial pour les fractions. Ainsi, 3 chevrons, qui veut dire 30, pouvait également vouloir dire 30 sur 60, c'est-à-dire un demi. 2 chevrons pouvaient signifier 20 soixantièmes, c'est-à-dire un tiers. Et 1 chevron et 5 clous pouvaient signifier 15 soixantièmes, c'est-à-dire un quart. Mais alors, pourquoi compter en base 60?
Il fallait que les scribes apprennent à la fois les tables de multiplication de 1 à 20, et non pas comme nous, les tables de multiplication de 1 à 10, mais également les tables de multiplication par 30, par 40 et par 50. Eh bien, voici une des raisons. On a vu précédemment la notion de diviseur. 10 a comme diviseur 1, 2, 5 et 10, il a 4 diviseurs. 12 a comme diviseur 1, 2, 3, 4, 6 et 12, il a 6 diviseurs. Et 60 a 12 diviseurs. 60 est un très bon nombre pour la division. 60 est le plus petit entier qui admet 12 diviseurs. Bien plus tard, le savant grec Ptolémée utilisera la base 60 dans ses travaux sur l'astronomie afin de faciliter ses calculs. La civilisation babylonienne est présente au sud de la Mésopotamie du début du deuxième millénaire jusqu'au début de notre ère. Elle doit son nom à la célèbre cité de Babylone. La splendide cité de Babylone est depuis longtemps en ruine. C'est aujourd'hui un site archéologique majeur situé sur les bords du fleuve Euphrate en Irak, à une centaine de kilomètres de Bagdad. Concept mathématique numéro 10, multiplication et division mésopotamienne. La multiplication mésopotamienne. Les Mésopotamiens devaient apprendre des tables de multiplication de 1 à 20 et les tables par 30, 40, 50 et 60. Prenons un exemple. Il s'agit de calculer le produit de 38 par 25 en utilisant la multiplication mésopotamienne. 38 fois 25 ne figure pas dans les tables à connaître. Mais 38 fois 25 peut être écrit sous la forme 30 plus 8 multiplié par 20 plus 5, ce qui donne en développant 30 fois 20 plus 30 fois 5 plus 8 fois 20 plus 8 fois 5. À ce stade, le scribe peut utiliser des tables de multiplication connues. 30 fois 20 égale 600, 30 fois 5 égale 150, 8 fois 20 égale 160 et 5 fois 8, 40. 600 plus 150, 750, 160 plus 40 égale 200, 750 plus 200, nous obtenons finalement 950. 38 fois 25 égale 950. La division mésopotamienne. Les Mésopotamiens remplaçaient la division par une multiplication par l'inverse. Ainsi, 9 divisé par 7 peut s'écrire sous la forme 9 fois l'inverse de 7. Prenons un exemple. 50 divisé par 30 peut être écrit sous la forme 50 multiplié par l'inverse de 30. Or, l'inverse de 30, nous l'avons vu, c'est 2, puisque 2 fois 30 égale 60. 50 fois 2 égale 100, c'est-à-dire en écriture mésopotamienne, en écriture base 60, 1, 2.40. C'est-à-dire, pour les Mésopotamiens, 1 plus 40 soixantièmes, ce qui en écriture décimale donne 1,6666, etc. Mais les Mésopotamiens ne disposaient pas de notre système d'écriture décimale. Il est temps de faire le point sur les origines des nombres et du calcul dont nous n'avons fait que donner quelques grandes lignes. Les ouvrages cités en référence à la fin de cet épisode vous permettront d'aller plus loin dans ce voyage. Notre but est de découvrir et d'apprendre les mathématiques au travers de l'histoire des peuples et des cultures. Dans ce premier épisode, il est question des origines des nombres, des chiffres et du calcul. Nous sommes remontés jusqu'à la préhistoire et nous avons découvert des bâtons, dits bâtons de comptage, dont les plus fameux sont les os d'Ishango. Ils dateraient d'environ 20 000 ans. Les plus anciens bâtons de comptage, eux, seraient datés d'environ 30 000 ans. Certains voient dans les bâtons d'Ishango de simples motifs décoratifs. D'autres le fait que l'homme préhistorique pouvait compter jusqu'à au moins 60. D'autres, encore plus audacieux, y voient la preuve d'un sens des nombres premiers chez nos lointains ancêtres. La représentation orale puis écrite des nombres a conduit à l'émergence du concept de base de numération, et nous l'avons vu, tous les peuples n'ont pas choisi la même. 60 pour les Mésopotamiens, 10 pour les Égyptiens, ou encore 20 chez les Mayas dont nous parlerons dans l'épisode consacré au zéro. D'autres peuples utilisèrent la base 12 ou encore la base 5. Le concept de nombre nous est tellement familier que nous avons oublié à quel point il est subtil. Mais qu'est-ce qu'un nombre? Qui a déjà vu 2? Qui a déjà vu 3? Vous pensez peut-être avoir déjà vu 2 ou avoir vu 3. En réalité, vous n'avez vu que sa représentation écrite dans notre système actuel de numération. Vous avez déjà vu 2 tables ou encore 3 chaises, mais 2 ou 3, vous ne les avez jamais réellement vues. 2 et 3 sont des concepts. Finalement, le concept de nombre si central en mathématiques résiste, à l'instar des concepts fondamentaux de la physique que sont le temps et l'espace,
à toute définition générale universellement acceptée par tous. La maîtrise du feu a fait faire à nos lointains ancêtres un bond immense. La domestication des nombres a été un saut tout aussi considérable. On pense que les premiers hommes firent très tôt la différence entre un et plusieurs, et sans doute assez rapidement la distinction entre un, deux, la notion de pair, et plusieurs. Des encoches à côté de dessins d'animaux dans des grottes laissent penser que les premiers hommes mémorisaient les nombres à l'aide de traits gravés dans la pierre, ou sur des os, ou encore sur des morceaux de bois. On l'a vu également, la main a sans doute été la première machine à calculer, d'où la numération en base 10, deux mains, si fréquente dans les cultures. Les cailloux, ou autres petits objets facilement manipulables, ont sans doute été très tôt utilisés pour calculer. Le mot « calcul » a d'ailleurs comme origine le latin « calculus », qui signifie « caillou ». Plus tard, on a fabriqué de petits objets en argile servant à dénombrer. On leur donnait des formes spécifiques des objets à compter. Ce mode de représentation serait apparu environ 8000 ans avant Jésus-Christ. Puis, les formes vers le 4e millénaire avant Jésus-Christ ont représenté non plus des objets réels, mais des quantités abstraites. Telle forme pour représenter 1, telle autre pour 10, ou encore telle autre pour 60. L'étape suivante semble avoir été d'utiliser des symboles gravés de formes différentes pour représenter les quantités, tel symbole pour 1, tel symbole pour 10, tel symbole pour 60. Au lieu d'utiliser telle ou telle forme en argile, on utilisait un symbole graphique, c'est l'origine des chiffres. Nous avons vu que les Égyptiens et les Mésopotamiens ne représentaient pas les nombres de la même façon. La numérotation mésopotamienne est positionnelle, alors que celle des Égyptiens ne l'est pas. La représentation positionnelle est plus abstraite, car la valeur d'un symbole dépend de sa position dans la liste des symboles. Un même symbole peut avoir des sens différents selon sa position. Dans une représentation non positionnelle, chaque symbole a le même sens, quelle que soit sa position. Ainsi, si l'on prend des cailloux, 3 gros cailloux pour 5, 3 fois 5 plus 5 cailloux, 16. L'ordre des cailloux, la place des cailloux, n'a aucune importance pour la signification finale du nombre que représentent ces cailloux. On peut les mettre dans n'importe quel ordre, dans n'importe quelle position. Par contre, en représentation positionnelle, celle que nous utilisons aujourd'hui, la place des symboles change le sens des symboles. Ainsi, lorsque nous écrivons 555, 555, le 5 de gauche signifie 500, le 5 du milieu signifie 50, alors que le 5 de droite signifie 5. On dispose d'un grand nombre de tablettes mésopotamiennes relatives aux mathématiques. Certaines proposent des tables d'inverse, d'autres la résolution d'équations, d'autres encore des problèmes de trigonométrie. Mais l'une d'entre elles est vraiment extraordinaire. C'est la tablette YBC-7289. YBC-7289 est conservée à l'université Yale dans le Connecticut, l'une des trois plus anciennes universités américaines. Le caractère extraordinaire de cette tablette vient du fait que c'est la plus ancienne représentation connue de racine de 2. Racine de 2 est une constante fondamentale de la géométrie au même titre que pi. Racine de 2 est au carré ce que pi est au cercle. Ce sera le sujet du second épisode de la série « Les maths dans le temps et l'espace », racine de 2 l'irrationnel, l'autre constante fondamentale de la géométrie. Pour préparer et réaliser cet épisode, j'ai utilisé de nombreux livres et de nombreux articles. En voici maintenant une liste non exhaustive. Jean-Baptiste de Panafieux, il est océanologue et vulgarisateur scientifique. Il propose ici un ouvrage publié en 2018, très facile à lire pour faire le point sur Homo erectus, Homo habilis, Homo neanderthalis et bien sûr Homo sapiens. Sapiens à la plage, l'origine de l'homme dans un transat. Norman Bix est professeur émérite à la London School of Economics. C'est un spécialiste des mathématiques discrètes. C'est aussi un excellent vulgarisateur, comme le montre ce livre passionnant, qui fait le lien entre histoire des mathématiques, de la monnaie et des poids et mesures. Le Contier, une histoire des mathématiques, des mesures et de la monnaie. Denis Gates était un écrivain spécialisé dans l'histoire des mathématiques. Ce petit livre d'une grande profondeur propose une réflexion philosophique sur l'univers des nombres, l'empire des nombres. Amy Dahan est directrice de recherche au CNRS et Jeanne Pfeiffer est historienne des mathématiques. Toutes les deux proposent un ouvrage dense sur l'histoire des mathématiques des origines au XIXe siècle. Ian Stewart est vulgarisateur renommé. Il est également professeur de mathématiques. Au travers de ce livre, il propose différents petits voyages couvrant aussi bien l'algèbre, l'analyse ou encore la théorie du chaos,
ou celle des probabilités. Deux volumes de référence incontournables dans l'histoire des nombres et des chiffres, mais parfois remis en cause par certains scientifiques. Georges Ifrah est à l'origine professeur de mathématiques, devenu spécialiste de l'histoire des nombres. Jean-Pierre Escoffier, maître de conférences à l'université Rennes 1. Petite histoire des mathématiques est un ouvrage grand public, facile d'accès, pour découvrir les mathématiques et leur histoire. Gilles Godefroy, directeur de recherche au CNRS. Il nous propose ici un livre sur l'histoire des nombres, des origines préhistoriques, en passant par Babylone et la Grèce antique jusqu'à nos jours. Gilles Godefroy, l'aventure des nombres. Marianne Freiberger, mathématicienne diplômée de l'Université de Londres, écrit en collaboration avec Rachel Thomas. Un livre conçu comme un guide touristique. Nous partons en voyage au travers de chaque chapitre vers telle ou telle contrée mathématique. La poésie est au rendez-vous dans le secret des nombres. Bernard Duvillier est professeur de mathématiques. Ce livre est en quelque sorte le pendant mathématique de Sapiens à la plage de Jean-Baptiste de Panafieux. La principale qualité de l'ouvrage est de décrire l'histoire avant Euclide, alors qu'on fait souvent commencer les mathématiques à Euclide. Mais l'auteur remonte jusqu'aux origines de l'univers, de la formation de la Terre et des origines de l'homme, ce qui me semble un petit peu hors sujet et alourdit inutilement l'ouvrage. Le reste est par contre tout à fait intéressant. Robert Van Loo propose ici un livre facile à lire qui devrait réconcilier le public avec les mathématiques, Anti-manuel de mathématiques. Le matin des mathématiciens. Il s'agit ici d'une série de 16 entretiens sur l'histoire des mathématiques présentée par Émile Noël, initialement diffusée sur France Culture, Mésopotamie, Égypte, mais aussi Chine et Inde, jusqu'à l'Europe médiévale. 2500 ans de mathématiques, l'évolution des idées. Un parcours concis de l'histoire des mathématiques en partant de l'Antiquité jusqu'au XXe siècle en passant par le Moyen-Âge et la Renaissance. Jean Baudet est spécialiste de l'histoire des sciences et des techniques. Il propose ici un livre dense sur l'évolution des idées mathématiques des origines préhistoriques au XXe siècle. C'est un livre qui s'adresse à un public ayant déjà de bonnes bases en mathématiques. Et voici maintenant quelques ouvrages en anglais. La liste n'est pas exhaustive. Un livre volumineux, très complet sur l'histoire des mathématiques, des origines jusqu'aux tendances actuelles. « The History of Mathematics ». Karl Boyer est décédé en 1976, il a publié plusieurs ouvrages sur l'histoire des mathématiques. Ce livre est régulièrement mis à jour, ici c'est l'édition 2011 que j'ai utilisée. La seconde édition avait été préfacée par le célèbre écrivain de science-fiction, Isaac Asimov. Contrairement à ce que son nom pourrait laisser penser, ce n'est pas du tout une introduction à l'histoire des mathématiques, mais un ouvrage volumineux, incontournable pour qui s'intéresse à l'histoire des mathématiques, un livre publié en anglais. C'est un ouvrage très complet, tout à fait passionnant. The History of Mathematics. Là encore, un ouvrage incontournable dans l'histoire des mathématiques, très complet sur les différentes cultures. Ce livre traite des mathématiques indiennes, arabes ou encore chinoises. Et pour finir, sans être exhaustif, un dernier tome qui, comme son nom l'indique, est plus spécialisé sur l'origine des mathématiques en parcourant les mathématiques égyptiennes, mésopotamiennes, chinoises, indiennes et arabes. Si vous avez aimé cet épisode et que vous souhaitez soutenir la chaîne, voici comment faire. Tout d'abord, si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez vous abonner à la chaîne Math Plus 1. Si vous cliquez sur la petite cloche située sous cette vidéo, vous recevrez une notification dès qu'un nouvel épisode est mis en ligne. Vous pouvez aussi poster un commentaire, ce qui accroît l'activité de la vidéo et la booste dans les propositions faites par YouTube. Partager sur les réseaux sociaux est très important pour augmenter la visibilité de Math Plus 1. Vous pouvez donc partager cette vidéo, par exemple sur Facebook. La réalisation d'une vidéo de ce type demande beaucoup de temps. Afin qu'il soit viable de continuer ce travail, votre aide est indispensable. Cela est possible à partir de 1 euro sur le site tipeee.com profil Math plus 1. Le lien est donné dans la description sous la vidéo. Sur Facebook, vous êtes tenu au courant de l'actualité de la chaîne. Math plus 1 est également présente sur Instagram et sur Twitter. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous donne rendez-vous dans le second épisode qui sera consacré à racine de 2, l'autre constante fondamentale de la géométrie.